C'est officiel, le paiement électronique sera lancé à la fin du mois de juin prochain et c'est Moatassem Boudzieff, directeur général du groupement d'intérêt économique de Monétique, qui nous l'apprend aujourd'hui sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Il a également énuméré les organismes qui sont prêts à lancer le e-paiement, citant la Société de distribution des eaux d'Alger, la CEAL, les trois opérateurs de téléphonie mobile Algérie Télécom, Air Algérie et d'autres compagnies aériennes qui sont en phase de test, comptant d'autres organismes qui seront prêts en deuxième phase. Nous allons l'ouvrir aussi éventuellement pour ceux qui seraient prêts par la suite à l'ADL, aux OPJI et à certaines administrations, telles que l'administration fiscale, les douanes et la Direction générale du Trésor. Par ailleurs, le directeur général de l'organisme de régulation de la monétique a pointé du doigt l'absence de la culture d'utilisation des cartes de paiement chez les Algériens. Aujourd'hui, donc nous on veut généraliser non pas la carte de paiement, mais l'usage de la carte de paiement. Parce qu'aujourd'hui, on a 1 million et quelques de cartes, mais qui ne génèrent pas de transactions. Le responsable du GUE Monétique a en outre révélé qu'il devait se focaliser sur la communication et la sensibilisation et construire des supports de communication audiovisuels, audiophoniques et écrits, des messages courts, ainsi que des panneaux publicitaires pour apprendre aux Algériens l'utilité de la carte de paiement électronique.